Les amis, aujourd'hui, on va tester des produits de chez Normal. Des snacks et des drinks. Pas plus de 2 euros, les amis. Alors, il y a un truc, c'est celle qui l'a acheté. Et bon, et du coup, il y a pas mal de snacks sucrés, salés et il y a 2 boissons. Donc, on avait vu ça, c'est des pop-corn dans un paquet style Pringles. Donc là, c'est Smoky Barbecue. Donc ça, je l'ai acheté 2 euros. C'est des pop-corn dans une boîte de son paquet saline. Tu ressembles à ça. Voilà, c'est vraiment un petit pop-corn. C'est spécial, hein, barbecue, hein. En fait, je pense que ça sentait le beurre de cacahuète. Je m'attendais pas à ce goût. C'est un petit peu piquant même, hein. Salé. Ouais. Ah non, du piquant, non. Ah, c'est pas bon. 1 sur 10. C'est à chier, hein. On a acheté la même version. Oh putain. Cheese et cheese. Ah, ça sent le fromage. Donc regardez, comme des petites bioules. Non. Ah. Non, non. C'est dégueulasse. Non, c'est pire que l'autre. Autant l'autre, il a du goût, alors celui-là, c'est vraiment... ça a un goût de je sais pas. 0 sur 10, les amis. Oh my god! Du coup, dédicace à Anthony. On a acheté des boissons vegan. Non, je rigole. Des boissons healthy, 0 calories, 0 sucre. No sucre, natural color, sweet and bubbly. Donc, on a mangue et fruits de la passion et fraises et framboises. Donc, déjà, on va goûter mangue et passion. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, les deux paquets, c'était, comme je vous ai dit, c'était 2 euros chaque paquet de trucs popcorn. Et là, les boissons, on les a achetés 1,20€ pièce. Ça va. C'est très bon. Écoute, mangue, fruit de la passion, c'est pas trop sucré, je trouve, ça va. En fait, on dirait, va, ouais. on dirait un peu une eau pétillante. Je vais mettre un 7 sur 10 pour mangue et puis on goûtera framboise après avec le reste. Ah bah ça, voilà ce qu'elle voulait. La fameuse éponge, madame voulait tester ça. Alors. Le but, c'est de lui foutre la cuillère dans la bouche. Ah, bon, ouais. Les cookies. Il y a différents cookies. Oh. On a citron, banane, fraise, vanille, choco-vanille. Voilà, on a vu ça. Les mini cookies, quand même, tout ça, on y a acheté 1,40€. Et il y en a quand même pas mal, hein. Regarde, il y a 2 paquets à chaque fois, il y a 2 étages. Ah oui, ça va, c'était pas cher en vrai. 1,40€, franchement, ça va. Donc, petit paquet. Donc là, c'est citron. Je pense citron, ça va être bizarre, hein. Ah, waouh, ça sent vachement le citron, hein. Regardez, ça se présente comme ça. Ouf! On dirait un peu du produit vaisselle. Ouais, bon, 5 sur 10, la moyenne. Ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Bah, on dirait du limoncello, parce que c'est d'alcool. Ça, c'est banane. En fait, ils sont tous pareils, les biscuits. Ah, c'est chimique, hein. Banane, pas mieux. Oh là, on dirait du bonbon. 5 sur 10. Ça, c'est fraise. Ça sent, hein. Fraise, ça a même pas de goût. 4 sur 10, les amis. Donc là, vanille, les amis. Ça passe, vanille. Mini sandwich, ils appellent ça. Alors, vanille, c'est moins pire que... Ouais, c'est le moins pire. Allez, mais bon, 5 sur 10 quand même. Et chocolat. Le chocolat, il est blanc, il souffle de la gueule bleue. C'est choco, vanille, en fait, le biscuit chocolat, et dedans, c'est de la vanille. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment... C'est pas le grand intérêt. 5 sur 10, les amis. On a trouvé des Oreos, les amis. Attention, les amis. Ça, on place tout notre espoir dessus, si ça, c'est pas bon. Ça, c'était côté asiatique. Donc, on a Oreo matcha. Ensuite, on a Oreo framboise myrtille. Et on a raisin pêche. On va goûter tout ça. Moi, j'ai jamais goûté le matcha. Ça pue ? Ça sent la pelouse ? Oui. Regardez. Ah, c'est vert dedans ? Regardez, je l'ouvre. Ah ouais, putain, ça sent. Mmh. Ah ouais, ça sent la pelouse. C'est pas mal, j'aime bien. Ça va, je trouve, on sent pas trop là. Ah si, en fait. Non, ça arrive après. Ouais, allez. Tu sens ta mertume de pelouse, ouais, là ? Ouais, ok, bon, 6 sur 10. Un jour, on goûtera à boisson, matcha, tu verras. Ensuite, framboise myrtille. On voit que c'est séparé. Ah, j'ai mal coupé, mais... Ah ouais, c'est coupé en deux, ouais. Il y a vraiment 2 couleurs. Ça sent le chimique, hein. Oh putain, ça sent le bonbon encore. Et après, ça sent le vernis. Ouais, de ouf, le vernis à ongles. Ouais, non. 5 sur 10. Oh, le dessin national. C'est pas bon. On place tout notre espoir à tout. Le dernier, raisin pêche. Ah, je peux pas, c'est dégueu. Non, ça sent le vernis à ongles, s'il te plaît. J'ai essayé de le couper en deux pour que vous voyez la couleur. Donc voilà, ça, c'est raisin pêche. Ah non. Oh, c'est dégueu. Non. Un raisin pêche, c'est horrible. 3 sur 10. Le mieux, c'est matcha. Franchement, pour moi. Mais matcha, je crois qu'il n'y a même pas de matcha dedans. Je te jure, il y a de la poudre de thé vert. Goûte raisin pêche. C'est une horreur. On a acheté ça 2 euros chaque paquet. C'est pas bon. On dirait qu'il y a de l'alcool dedans. Ah, il y a de l'alcool, je suis sûr. Ah, mais c'est le raisin. On va goûter la deuxième boisson, vu qu'on a fini la première. Strawberry Raspberry. Bah, mangue passion était déjà très bon. J'avais mis un 7 sur 10. Ouais, ça passe. Mieux, ça. Là, si vous achetez un truc, clairement, achetez ça. Hein, c'est bon. Ça va, les boissons. Pour l'instant, de tout ce qu'on a acheté, c'est pas bon. Tiens, il nous reste un truc.
on n'est pas habitué, il y en a, ils mangent ça tout le temps. C'est ça qui reste. Bah ouais, on a tout goûté. Tout était dégueulasse, c'est génial. Des bonbons américains. Fameux. Il y avait d'autres variétés, mais on n'a pas tout acheté parce que c'est très cher. Hein. Le paquet, 2 euros. Mais après, on ne mange pas de bonbons en général. Non. On ne va pas en acheter 3 paquets, tu vois bien. Donc là, c'est saveur pêche. Je sais pas, moi j'ai toujours vu ça, là, les trucs, ça m'a l'air bon, c'est pas bon. Ouais. Ça colle aux dents. Hein. Ouais. Mais après, je trouve que ça n'a pas plus goût de pêche que ça. Du sucre, ouais. 5 sur 10. Bah, c'était pas le réussite. Hein. Ouais. Voilà, hein, vous testez de la bouffe de chez Normal, bon bah, par rapport à Action, c'était un peu moins bien, mais en plus, c'est plus cher. En plus, ouais, Action, il y avait des trucs bons, mais là, franchement, là... Ouais. Bon, on va dire, ce qui s'en sort le mieux, c'est les boissons, quand même, qui sont assez bonnes. Mangue, quand même, c'est pratiquement celle qui sort du lot. Et après, Oreo Matcha, celui-là, j'ai bien aimé. Les petits cookies, ça, ni queue ni cul, ça a aucun intérêt. Et après, vraiment, les Holy Pop à la fin. Enfin, voilà, les amis, c'était le test des produits de chez Normal à 2 €. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et des bisous. Normal. Normal.